Salut les gens, c'est ça, on se retrouve par un épisode hors série. En effet, j'ai décidé de sortir cet épisode de la série car il est exclusivement consacré au passage de la réforme impériale et à tous les trucs et astuces qui vont avec. Il ne s'écoulera que 8 mois avant le prochain épisode et il ne se passera absolument rien de spécialement marquant dans l'Empire. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les trucs et astuces pour passer cette réforme impériale un petit peu en force, n'hésitez pas à passer à l'épisode suivant qui vous attend aujourd'hui même à midi. Alors, j'ai pas mal travaillé pour préparer cet épisode. On va avoir, vous le voyez en bas à droite, 61 points de réforme parce qu'il y avait 52 province ou 53 parce que j'ai misclic ici, j'ai dépensé un point d'autorité pour augmenter voilà la grâce impériale à Nuremberg. J'étais en train de checker les relations, les possibilités et d'un coup paf, j'ai cliqué alors que je voulais juste voir le tooltip. Bon, en tout cas on aurait pu avoir 62. En tout cas, comment ça marche pour faire une réforme, on va en profiter pour en parler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez les gens ici qui sont pas d'accord, 11 d'accord, 30 pas d'accord. Et on va aller voir, je sais pas, moi, tiens, Liège. Donc, les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord et les raisons pour lesquelles il est d'accord. Vous avez la réputation diplomatique qui est importante. Sachez qu'on peut l'augmenter grâce à la légitimité. Il manque probablement 2 points à cause de la légitimité. Donc, on va essayer d'augmenter notre légitimité. On va voir ça tout de suite. Réputation plus 3. Et donc, on va augmenter notre légitimité. Normalement, ça devrait passer à plus 4. Hop là. Sur Liège, hop, plus 4, un point de gagné pour tout le monde. Donc si j'arrive à avoir les 43 points qui me manquent, je pourrais encore augmenter de 1 point pour tout le monde. L'autorité impériale, vous le voyez, c'est ce qui dépasse. Alors j'ai mis le max, hein, j'ai vraiment mis le max parce que comme vous pouvez le voir, on est en train de perdre de l'autorité. Et il va falloir faire une course contre la montre. On va essayer d'abord de ralentir un peu la chute. Ça, j'ai vu comment faire. Parce qu'il y a deux villes que je peux mettre en cité. Et la seule chose qui pourrait stopper la chute, c'est qu'on passe en union personnelle avec la Bourgogne. Puisque ça enlèverait 13 territoires, 12 territoires sur les 13. Donc ça vraiment, ça stopperait la chute. Et pour autant, ça ne ferait pas remonter. Donc ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a l'opinion de l'empereur. Alors l'opinion de l'empereur, sachez que quand vous êtes en négatif, eh bien, c'est multiplié par 5. Je crois que c'est ça, hein. C'est multiplié par 5, non, par 2, voilà, c'est divisé par 2, ce qui fait qu'en fait, si vous avez moins 20, vous avez moins 10 ici de malus. Donc, il faut que vous cherchiez à monter les gens qui ont une faible autorité, une faible opinion de vous. Pourquoi? Bah parce que, à l'inverse, quand vous avez une opinion positive, vous ne donnez que un dixième du bonus, donc 5 fois moins. Donc autant ça sera une bonne idée d'améliorer l'opinion s'ils ont une opinion négative, autant s'ils ont une opinion positive, ça va vous rapporter très 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 peu de points. Une influence par exemple vous ferait gagner 2,5 points. Attention, c'est pas négligeable, ça peut servir. Voilà, donc on va chercher plutôt des gens qui ont environ moins 10 et une opinion négative de nous. Lui, voyez, si je renforce son opinion de 25 points, et ben il va augmenter d'abord de 10 points. Et après, il me restera 5 points qui vont rapporter 0,5. Donc de 10,5. Ça va pas suffire, loin de là. Lui, il est en positif. Ah, non, il a une bonne opinion de moi, je peux rien faire. Opinion de l'empereur, c'est positif. Opinion de l'empereur, c'est tout juste positif. Ah, 12,5. Ouais, mais moins 28. Ça, c'est moi-même. Je m'aime moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moins 17, opinion de l'empereur, moins 1. Ça va pas coller. Ça va être dur, hein. Opinion de l'empereur, positive. Mais il était à moins combien? Je viens de moins 7,7. Ah, faudrait l'augmenter de 77 points. Ça me paraît compliqué. Parce qu'on va avoir du mal à faire des dons. Hein. 9 avec une opinion positive. Je crois qu'on va pas pouvoir passer cette réforme. Ah, on a un moins 2. Alors un moins 2, si je l'influence, je fais passer en positif. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Mais tout d'abord, on va arrêter ça. Et on va passer en mode full cash. Peu importe les révoltes, peu importe tout. On doit absolument faire un max de cash. Ça veut dire que je vais baisser la maintenance de tout. De tout. De tout. Et de tout. De façon à pouvoir faire des dons. Et je vais bien sûr faire un emprunt. Voilà. Donc, pas de défense, pas de trucs qui pètent. On s'en fiche, on s'en occupe pas. On doit absolument aller s'occuper de ça. J'envoie aussi tous mes bateaux ici. De façon
à pouvoir acheter des cartes à Tunis, ce que j'ai repéré. Et on va aller... Ah, je regrette d'avoir perdu ce point d'autorité là pour Nuremberg. Cool, Nuremberg y merde maintenant. Là, c'est Ulm qui veut bien passer. Statut de ville libre. Voilà. Et le deuxième, c'est la Suisse. Voilà, j'en ai pas trouvé d'autres. Allez, on va travailler. Il faut faire vite. Il faut faire des dons. Il faut faire des influences. Plutôt les dons en premier. Moins 14, opinion très bonne. Oh là là, faut monter de 148. C'est pas possible. Moins, faut monter de 250. Ah, opinion d'empereur, moins 8. Faudrait monter de 15, c'est-à-dire 150, c'est trop. Moins 20 pour opinion d'empereur, moins 5. Non, je peux rien faire. 15, c'est 150. Alors, moins 5,2. Moins 6,4, opinion de l'empereur positive. Faudrait monter de 64. C'est pas invisible, 64. Hein. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur, c'est dur. Opinion d'empereur, moins 4. Florence, moins 6. Ah, non. 0. 67. Pas facile. Moins 3, opinion d'empereur. Ça, on va faire une influence et un don. Voilà. Et regardez, moins 0,7. Moins 2,5. C'est pareil, une influence, c'est bon. Mais attention, on perd des points, là. On va perdre un point, ça va s'en... Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Oui, vire-moi les deux. Alors, est-ce que je prends un truc tout de suite? Revenu versé par les vassaux. Inspiration à coup d'annexion diplomatique. On est loin du compte. Hein. Faut que je remonte ça pour ma corruption d'abord. Alors, on continue. 17 moins 1. Oh là 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 là. 25. Oh, pff, impossible. 50. Bah voyons. Moins 7. Ouais, ça sera super dur. Hein. 21 avec une opinion positive. 14. Impossible. 16. Impossible. Ça, je crois qu'on va pas pouvoir. Hein. 13. Impossible. 7,4. Va falloir essayer de monter ceux qui sont à moins de 75. Hein. Ouais, ils sont à moins de 75 ceux-là, mais le problème c'est que comme on perd de l'autorité, ils vont perdre un point. Et hop. Mais oui, toi tu passes en positif. Je sais bien. ...93, ça pourra pas. Hein. Après on va faire des mariages, des alliances, des patati, des patata, on est reparti hein. Alors, influencer, Ulm, moins 0,1, ça va faire quoi? Ça va faire baisser ma légitimité, je veux l'augmenter, moins 24, 6,5, on peut tenter le coup, hein. Il faut tenter le coup là maintenant, hein. Combien j'en ai maintenant? 13, il m'en faut 8, hein. Faudrait que je commence à les désigner, les 8. On va le perdre, lui, hein, Mayence. Trêve. Allez. C'est qui, ça? Brandebourg. Hop là, Brandebourg. 138 de Dieu, de Dieu. Aïe, je pourrais jamais. Waouh. Nuremberg. Moins 5. Donc Brandebourg-Nuremberg. C'est dur, hein. J'en vois que deux, moi. Oh là là, moins 50. Gêne.
Ah, 101. 5,3. Oh là 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 là. 1000 ans. En plus, il m'aime bien. Lui. Trop tôt. Lui. Trop tôt aussi. Florence. Hein. On n'a pas l'argent. Ça va être tendu parce que je vois pas combien je peux faire. 13, ouais, toujours que 8. Hein. On continue. Aïe aïe aïe. Brandebourg, il va me coûter mais tellement cher. Il faut que je fasse une alliance. Il faut qu'il veuille. Hein. Waouh, ça c'est bon ça. Parce qu'on va faire des alliances. Hein. On va faire des alliances. On va passer cette fichue réforme. Gêne. Ulm. Moins 0,1. Un petit don, ça va marcher. Luc. Faire un don. Ça, c'est bon. Ça suffit. Lui. Le 7. Faire un don. Moins 0,1. Je prends pas de risque. J'en mets 2. Combien je suis là? Combien je suis? 15. Encore 6. Florence. Donc encore 6. C'est qui les 6? C'est Florence. Liège. Gênes. Ça fait pas 6. Hein. Brandebourg. Lui, je peux tenter. Hein. 110. Ah, bah, Nuremberg. Non, Nuremberg, moins 5. Est-ce qu'on a influencé? Bien sûr. Faire un don. 2,2, ça fera l'affaire. Alors, c'est toujours un travail bien, bien, bien technique quand on veut faire ça un petit peu sur le fil. Ça va nous prendre un moment. Hein. Alors déjà, je vous ai évité le long moment où j'ai passé à chercher chaque truc que je pouvais rajouter. Tout ça pour me foirer en ratant un. 14,9, c'est trop. Hein. 13,1, on pourrait y réfléchir. 15, 50... 5,3, gêne. Faut aller chercher Milan, on n'a pas le choix. Il va nous coûter la peau des fesses. Oh là 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 là, je l'influence déjà. 9,4. Faut aller chercher une alliance. Hein. Et ça va pas suffire. Hein. Le problème des alliances, c'est que ça va faire monter quelque part et baisser ailleurs. Hein. Faire un don. Et hop là, 125. Ah bah ça va être très 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 coûteux. Hein. Mais c'est notre dernière chance de faire passer une réforme avant, avant que ce soit complètement fichu. Liège. Lübeck. On a combien? Toujours. Il m'en faut 6. Gênes. Option d'alliance. Ok, Milan, il est passé bon. Savoie. Pardon. Savoie, il veut pas se... D'accord. Il était pas bon avant, lui. Et hop, un petit emprunt. Il n'y a pas de rentabilité dans l'histoire. Hein.
cas, vous me disiez, ouais, mais c'est pas rentable. Non, c'est pas rentable. On veut faire passer la réforme, on fait passer la réforme, point barre. Qu'est-ce que soit le coût, hein, c'est un peu comme l'institution, on paye le prix qu'on doit payer. Hop là. Alors, on en a combien là? 16, il nous en faut 5. Florence. Le 20. Liège. Le 22. Donc on a Florence, Liège. Milan. Putain, Milan est repassé négatif. Florence, Liège, Milan. C'est où mes 5? Parce que ça va pas, je les vois pas. Hein. Peut-être Lunebourg. Peut-être Saxe-Lauenbourg. Ansbach. Ouais. On a des moins 13 là. Oh, Nuremberg. Le 16. Ravensburg est pas trop mal. Oh, Brandebourg. Ouais, c'est tendu, hein. Faut prendre Brandebourg. Neuf fois d'alliance. Alors évidemment, ils vous détestent juste après, hein, quand vous rompez les alliances. Inutile de le dire. Combien il me manque là? Il me manque encore 4. Hein. Milan. Ça fait un point, hein, ça va garantir l'indépendance. Hein. On y va. Florence. Liège. Le problème des alliances, c'est que ça peut en faire baisser. On a rien gagné. On en a sorti certains, en fait. Voilà, il faut lui proposer une alliance aussi, du coup. On va tenter le coup. Moins 7, c'est pas mal. Moins 1,7. Suisse, je viens de la faire citer état et elle me déteste quand même. En même temps, c'était pas pour quand même. Ok. 18 3 3, allez, on va en chercher 3. Milan. Milan, Sienne. Et parce que je l'aime pas, moi, d'accord. Garantir l'indépendance de Sienne. Ça suffira pas, faudra en rajouter un peu. Luc. Garantir l'indépendance. Ok, on recommence. Lui, c'est bon. Ravensburg. Et pour l'instant, on a de la chance, on n'a pas de rebelles qui pètent. Allez, 19, encore 2. Milan, offrir l'accès militaire et c'est bon. Il y a plus 0. Plus 0,1. Accorder le statut de ville libre. Je le voyais. Je savais pas qu'il voulait lui.
Ouais, mais attendez, parce que Sienne, je veux bien lui accorder, mais le problème, c'est que ça peut changer son idée de moi. Si je fais ça, je suis à combien, Sienne? Moins 0,1. Détourner le commerce, ils aiment bien d'habitude. Offrir l'accès militaire, ils refusent. Oh, j'ai peur qu'ils me détestent après. C'est ça le truc, c'est qu'après, il risque de me détester. Je peux pas lui faire un don? Trop de dettes. Je l'ai dû influencer. Ah, je tente le coup. Je crois que oui. Ok. Bah maintenant faut défaire tout ça. Maintenant faut défaire tout ça. Faut remonter la maintenance. Rembourser 4 milliards de dettes. Ce qui sera juste impossible. Voilà. Voilà. Oh, on a 8 d'intérêt. Hein. C'est quelque chose auquel je pense qu'on pourra faire face. Peut-être un jour. On a vu à tous les conseillers. De toute façon, hein, ils sont partis à volo. Quand on a gagné les trucs. Donc, eh ben, écoute, c'est où? Là. Eh ben, on y va. Et puis, ben, on va commencer notre travail diplomatique. Parce qu'on a probablement un tout petit peu trop. Voilà. De. Ça va encore. On va probablement laisser passer à moi. Alors, Brandebourg, l'Alliance, bah désolé. Alors, évidemment, ça risque de reformer une Koa. Quoique, non, hein, je crois qu'ils sont superbes en expansion agressive. Trêve, 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 trêve. Munster. Trêve. De quoi t'as l'air, trêve? Je suis encore paumé. Ça c'est Liège, hein. Mayence, Palatinat, S. Bon, bah, on va te trouver dans la liste, hein, tout simplement. Alors, j'ai des alliances avec Nuremberg. Hein. J'ai des alliances avec Milan. Malheureusement, je vais le dissoudre. J'ai des alliances avec Florence. Et oui, bah je sais, mais qu'est-ce que je te dis? La vie est dure pour tout le monde, hein. En tout cas, vous avez voté la réforme, c'est tout ce qui compte. Alors, on a gagné quoi? Légitimité. Eh ben, une bonne idée, mais j'en ai plus besoin là. Autriche, j'ai des alliances avec Würzburg. Dissoudre l'alliance. J'ai des alliances avec Trèves. Dissoudre l'alliance. Du coup, on saura jamais où c'est. Enfin, vous le savez, bien sûr, vous aimez bien. Mais t'es nigo, c'est pas possible. Ouais, bah, je sais où c'est, Trèves. C'est dans le coin. Je le vois pas en fait. C'est ça le truc. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je le vois pas, je le vois pas. C'est pas là-bas, c'est dans ce coin-là. Je sais où c'est, Trèves. Arrêtez de me dire que je sais pas. Ah bah, c'est super. Ah, oui, hey. Ils l'ont mis de la même couleur que Munster, alors, hein. Ne me jetez pas la pierre, je suis passé dessus, j'en suis sûr. Ravensburg, on va dissoudre l'alliance. Ok, bon, on va dissoudre plus tard. Portugal, non. Gênes. Ah oui, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Ah oui, en temps normal, j'aurais pu vous contrôler, hein. Mais j'ai dû baisser ma maintenance. Alors du coup, je vais attendre encore un peu. Bah, je suis bien content d'avoir passé cette réforme quand même. Même si c'était un tout petit peu douloureux.
Voilà, faut pas hésiter à faire 50 alliances. Mais n'oublie pas qu'en fait une alliance, vous faites baisser quand même l'opinion de ceux qui sont rivaux, etc. Mais grosso modo, si vous pouvez faire une alliance avec les deux, vous y gagnez. Par contre, bah ça rapporte pas tant que ça. Mais bon, ça rapporte quand même 6 à 7 points d'opinion, je crois. Hein. Donc, bah dissous l'alliance, j'imagine, alliance rompue, moins 50. Et maintenant, plus personne va m'aimer, hein, ça c'est sûr. Alors, maintenance des forteresses, on va pas les maintenir. Hein. Alors, dis-moi qui j'ai encore à aller voir. Ravensburg, trop tôt. Milan. C'est bon. Voilà, Tristounet. Hein. Pologne, Moscovie, Bourgogne. Non, clairement, personne. Liège. Finalement, j'ai pas tant d'alliances que ça. Hein. Encore trop tôt pour avoir une bourg. Bah, c'est le dernier. Alors, pour le coup, j'ai dû faire des garanties ou des trucs comme ça maintenant, moi. Hein. Voilà, Milan, Sienne, Luc. Garantie Milan, allez donc. Je suis gonflé. Milan, Sienne. Alors, Sienne. Révoquer la garantie. Milan. Et Luc. Voilà, ça commence à revenir. Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Bon. Portugal, Bourgogne sont toujours là, ça c'est bon signe. On va peut-être en avoir un, enfin. Un, entre guillemets, parce que le Portugal, c'est juste pour qu'il devienne Habsbourg. Hein. Alors on est très intéressé par tous ces trucs-là, et notamment ces trois doctrines d'influence pour aller jusqu'ici. Mais en l'occurrence, on est beaucoup plus intéressé par remonter notre retard technologique ici. Alors on est en avance hein, sur le reste. Hein. Attention, on est quand même en avance. Hein. Et on ne perd pas. Hein. Actuellement, on gagne de l'innovation. Hein. Donc j'aimerais bien en gagner plus. J'aimerais bien en gagner plus. On a fait ça, c'est pas mal. C'est très utile. Mais maintenant il faut en gagner plus. Milan avait d'accord un accès militaire. Moi je voudrais révoquer la garantie. Le 6. Et après on va aller s'occuper de nos bateaux qui sont en train de couler tranquillement. Et ensuite tu vas te mettre là. Et ça tu vas me le remonter parce que j'attends des rebelles moi je crois là. Eh ouais. Et puis pas qu'un peu. Là, c'est des rebelles quoi, ça? Rien du tout. Ils ont été matés. Très bien. Alors, Tunis. Où t'es? T'es là. Tu voulais me vendre des cartes tout à l'heure. Est-ce que t'es toujours d'accord? Ah, l'Arabie, je suis trop loin. Ah, oh, mais je pensais que ça serait bon, moi, pour acheter l'Arabie. Alors la corne de l'Afrique. Maghreb, c'est une, ça fait cher hein, quand même. La steppe pontique, pas terrible. Hein. Égypte 7, franchement non, je veux pas payer pour ça. Caucase 5. Ah, déception. Bah non, déception. Il y a une province en Anatolie là, je veux pas payer pour ça. On part en rentre. Alors on a un 4, 12, 15 hein, parce qu'on a récupéré les unités machin. On va aller se mettre là. C'est pas très fort, mais bon. Lui il est combien? Lui il est 2, 8, 7, 7. 2, 12, 9, 7. Ouais, il est beaucoup plus fort que nous. Beaucoup plus fort que nous. Bon, alors. C'est maintenant, il faut qu'on retravaille un petit peu. Lui, il est en train de se faire annexer, ça va, c'est bien. Plutôt vite en plus, c'est cool. Mayence, excuse-moi, j'ai voulu embêter personne avant, mais... Non, bon, bah d'accord. Faut dire qu'avec l'autorité impériale qu'on a, c'est pas gagné. Les Trébizondes, ils sont prêts à sauter. Corruption. On peut rien faire, la corruption, faut la laisser flamber. Elle flambe pas tant que ça, ceci dit.
Il faut maintenir l'armée, il faut aller taper. Vous allez là-bas. Bien. On va encore prendre des claques. Avec Pologne expirée, ben j'en suis fort ravi. J'attends une guerre contre l'Angleterre d'un instant à l'autre alors. Protestante, c'est bien pour la première fois, c'est le bon. Ok. Bonne chance à toi, Brandebourg. Non. Alors, il va être temps pour nous. Ouais, c'était long, hein. Bah oui, c'était vraiment un sous-petit épisode consacré juste à ça, malheureusement. Donc, il va être temps pour nous de parler de la contre-réforme. La contre-réforme est un événement qui vous donne. Bah, on va aller le chercher, c'est plutôt une décision. Qui vous donne deux missionnaires, de l'influence sur le pape, de la puissance contre les missionnaires, contre les hérétiques. Sachez que ce n'est pas à vie, hein, jusqu'à la fin de la partie, comme on vous l'a dit. Ça s'arrête automatiquement de plusieurs façons. Il y en a deux ou trois qui sont spécifiques à certains pays, certaines doctrines, etc. Mais de toute façon, ça s'arrête 150 ans après l'apparition du premier foyer protestant. À la disparition des protestants et des réformés. Voilà. Mais c'est pas 150 ans après que vous ayez cliqué, hein. C'est 150 ans après l'apparition du premier foyer protestant, donc du protestantisme. Donc automatiquement ça s'arrête. Or, ça veut dire qu'il nous reste grosso modo 100 ans pour en profiter, là à peine, hein, ou un peu plus quand même, 100, 125 ans. Or, dès qu'on passe évidemment en protestant, ben, ça s'arrête, hein, dès qu'on change de religion, ça s'arrête. Vous pouvez pas le garder quand vous changez de religion. Et il est évident qu'on va pas utiliser les missionnaires à fond, là, tout de suite, maintenant. Hein, on peut même pas les payer. Donc ça sert à rien qu'on en ait deux de plus. Voilà, on n'a même pas encore l'efficacité des missionnaires donnée par nos doctrines religieuses. Donc, avant qu'on ait les doctrines religieuses à fond, il va s'écouler un certain temps. Ensuite, il faudra avoir l'argent pour payer tout ça, ce qui ne sera pas encore évident, même si on a des doctrines religieuses, ça risque d'être possible. Mais grosso modo, on en profite à pleine puissance pendant 50, 60 ans, et après c'est terminé. Donc ce n'est pas une, c'est pas une, c'est pas une, un choix suffisant, ce n'est pas des bonus suffisants pour se dire, allez, je reste catholique parce que grâce à la contre-réforme, je vais pouvoir transformer le monde. C'est loin d'être le cas, ça n'a qu'une efficacité limitée dans le temps. Bon, bah écoutez, je suis vraiment désolé, c'est un épisode où il s'est vraiment rien passé. Et je ne vais pas faire 30 minutes de rap juste pour qu'il se passe quelque chose. Surtout que je suis bien resté focus là-dessus. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, je voulais être sûr de ce que je faisais. Bon, de ce que j'allais faire, parce qu'évidemment c'est de l'Iron Man, je pouvais pas le faire avant. Il aurait pu y avoir des événements, il aurait pu y avoir pas mal de trucs pour nous pourrir la vie. Bon, ça s'est bien passé, on a passé cette réforme. Et en même temps, j'ai pu vous montrer la stratégie, les calculs, hein, n'oubliez pas l'opinion. C'est important à savoir quand vous augmentez l'opinion. Si la personne a une opinion négative, vous allez augmenter de la moitié de ce que vous montez en opinion. Vous montez de 25 et remonte de 12,5 dans la possibilité de voter. A l'inverse, faire monter la confiance grâce au point de faveur ne sert à rien, ne change rien. Et vous pouvez éventuellement, si vous avez une option pour monter votre réputation diplomatique, le faire. La seule façon facile que je connais, eh ben, c'est de monter la légitimité. 10% de points de légitimité, c'est 0,2 de. Enfin, je crois qu'on a 2 points de réputation diplomatique quand on a 100% de légitimité. Je crois, hein, je suis pas sûr. Voilà, donc ça fait monter un petit peu, et comme c'est multiplié par 5 pour l'opinion, pour le vote, c'est quand même pas mal efficace de monter la légitimité, hein. On remporte pas mal de points, je crois que par clic, on remporte un point sur tout le monde. Voilà, et effectivement, améliorer l'opinion une fois qu'ils ont une opinion positive, c'est beaucoup moins rentable, hein. C'est divisé par 10 au lieu d'être divisé par 2. Mais bon, c'est à faire, et n'oubliez pas les alliances qui sont très efficaces. Vous avez vu, on a fait péter la limite de relation pour 2-3 mois, hein. Ça nous a rien coûté en points, peut-être une dizaine de points, mais c'est vraiment infime. Voilà, par contre, ça nous a coûté de la relation, hein, bien entendu, parce que maintenant, tous ceux avec qui on a rompu les alliances, bah, nous détestent d'autant plus. C'est formidable. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à tout de suite pour la suite.